Bonjour, bienvenue à Francfort où a lieu en ce moment même la 4e conférence de l'Institut Schiller organisée dans le but de réformer rapidement le système monétaire et financier international qui aujourd'hui est en train d'appliquer une politique d'austérité génocidaire partout aux États-Unis, partout en Europe. Aujourd'hui, l'alternative à ça, comme M. Larouche l'a posé explicitement, c'est le progrès. L'humanité ne peut pas continuer à exister si elle arrête le progrès. La politique écologique qui est imposée aujourd'hui dans toute l'idéologie transatlantique nous mène droit à l'extinction de l'espèce humaine. C'est comme ça qu'il a présenté les choses. Ou l'humanité continuera avec ce système monétariste et plongera dans un chaos au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ou soit c'est l'ensemble des chefs d'État en Europe, aux États-Unis qui vont réinstaurer le Glass-Steagall Act immédiatement. De plus en plus de gens aujourd'hui ont rejoint cette mobilisation. Nous avions par exemple la présence exceptionnelle du docteur Kotegawa, qui est l'ancien représentant au FMI du Japon. Il y avait également la présence d'un représentant de la Chine qui est venu amener le meilleur de la culture chinoise avec Confucius, tout ce dialogue des civilisations et présenter justement tout le travail de M. Larouche, tout le travail de l'Institut Schiller comme vraiment un travail existentiel au niveau culturel, au niveau économique, au niveau politique, qui est la seule chance aujourd'hui pour sortir l'humanité de cette crise. C'est très important qu'aujourd'hui les populations, comme on l'a vu aux États-Unis avec Diane Serre, qui est actuellement candidate pour être gouverneur de l'État de New Jersey, qui partout voit des gens se mobiliser, s'activer, aller voir leurs députés pour leur dire « Maintenant, on remet en place le Glass-Steagall, on élimine toute la dette, la pyramide de dette, et on revient à une économie physique, à une économie productive. » Et à partir de là, on changera l'ensemble de la dynamique de chaos que nous subissons aujourd'hui. Cheminade l'a bien dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où tout peut changer en une seule nuit. La question, c'est est-ce que ça va changer pour le meilleur ou non? Et ça, c'est la réponse, elle est dans nos actions. Donc, rejoignez cette bataille, allez regarder cette conférence de l'Institut Schiller et rejoignez-nous.